Jeudi 24 février, les Dourdanais étaient invités par Europe Écologie Les Verts à une conférence en présence de Jean-Luc Touly, auteur de L'eau des multinationales, Les vérités inavouables, livre révélation sur le business de l'or bleu, dont a découlé le documentaire Choc, Water Makes Money. Comme Jean-Luc Touly, près de la moitié des communes se prononcent en faveur d'une gestion publique. C'est après la diffusion du film que cet ingénieur de Veolia s'est prêté au jeu du question-réponse à la demande du public présent. L'occasion pour lui de présenter ses objectifs et de revenir sur les conséquences de la mainmise des multinationales sur la distribution de l'eau. Les citoyens et les élus puissent se réapproprier la connaissance de la gestion d'un service d'eau qui est depuis près de 150 ans dans les mains de deux ou trois grandes multinationales. Cette société, pratiquée par une grande opacité, notamment financière et comptable, mais qu'en même temps, les élus ont intérêt à renouveler des contrats parce que l'eau paye bien d'autres choses, souvent les infrastructures sportives, artistiques, culturelles, d'où la fidélité de ces élus à ces sociétés. Juste deux exemples, la ville de Nice est avec la Générale des Eaux devenue Vivendi Veolia depuis 1864, donc 147 ans sans discontinuité. L'aspect écologique et géostratégique est aussi dangereux. Le côté écologique, c'est que est-ce qu'une entreprise qui fait de l'eau potable a intérêt à ce que l'eau soit la moins polluée une fois qu'elle est consommée ? Ben non, parce qu'elle-même, elle dépollue. Et que cette dépollution, on peut en faire de l'énergie. Donc c'est du chiffre d'affaires. On ne peut pas jouer à ça. Et donc peut-être que ces entreprises pourraient faire du profit à travers des canalisations, c'est-à-dire construire des canalisations, poser des canalisations. Mais le liquide, l'eau dont la population a besoin, dont on est fait à 70%, nous, les hommes et les femmes, ça, c'est pas du domaine de la marchandisation. Donc, c'est du domaine public. Aucune commune qui était du privé, qui est passée en régie, a voulu repasser en privé parce que la régie ne fonctionnait mal. On n'a pas d'exemple. Et au contraire, dans les communes qui sont revenues en régie, on a vu 3-4 choses qui sont plutôt bénéfiques pour tout le monde. C'est d'abord le prix qui a baissé, les investissements qui ont été multipliés, la gestion qui a été plus transparente. Et puis on a économisé surtout de l'eau à travers la réduction des fuites, puisque ces fuites-là, les régies, évidemment, sont très intéressées par ça. Alors qu'une entreprise privée, elle, la fuite qui en est et qui n'en est pas, de toute façon, ils sont payés. C'est compris dans le prix de l'eau. Donc on voit bien que l'intérêt de tous, du plus grand nombre, c'est évidemment un service public géré en régie, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler non plus la régie par les citoyens.